Bonjour. Beaucoup d'entre vous avez eu de la peine à lancer certaines choses. Donc, vous me suivez depuis un bout. Et vous aimez ce que je dis, mais vous ne savez toujours pas comment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer. Donc, bien sûr, pour ceux qui seront intéressés, vous pouvez m'écrire inbox. OK? Pour rejoindre le programme. Je demande la présence des ancêtres pendant que je vais parler. Que le Saint-Esprit m'éclaire. Je reçoive le message qui est pour cette saison de votre vie. Et que vous-même, vous puissiez le recevoir de façon claire. Amen. Ça fait quelque temps que tu essayes. Tu essayes. Tu sais que tu as les pouvoirs. Tu peux lire les signes. Tu peux rester comme ça, tu sais que... Je vois le papillon, je sais que ça veut dire telle chose. Tu as les rêves prémonitoires. Mais tu n'arrives pas toujours à concilier, à mettre ensemble ta partie spirituelle et ta partie physique. Souvent, je te dis que, ok, je connais tout ça. J'ai tous ces pouvoirs-là. Maintenant, quoi? Je vais te donner des principes qui vont t'aider. Et pour implémenter ce que je vais dire, si tu es intéressé, ce n'est que je ne vais travailler qu'avec les personnes qui sont déjà à la base spirituelle. À la base, d'abord, tu es spirituel. Et là, tu rames dans tes activités. Pas que tu rames, tu n'as pas d'argent, mais tu sais que tu pourrais faire plus, mais tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus. On va dire ça comme ça, c'est plus clair comme ça. Voilà. La première chose que tu dois comprendre, c'est que avant tu as commencé à faire le business, mais tu ne savais pas que tu devais intégrer spiritualité et business. Ce qui fait que tu étais toujours... il y avait des saisons où tu étais spirituel, il y avait des saisons où tu étais plutôt... seulement dans tes activités, ton argent. Et ça t'a, tu avais l'impression que tu es affaibli. Donc tu dois comprendre d'abord que ton business est spirituel. Ça ne veut pas dire que je vais faire dans la spiritualité. Ton business est spirituel, ça veut dire que ça ne veut pas dire que tu dois aller faire les cartes comme moi. Mais ton business est lié à ta spiritualité. Et beaucoup d'entre vous, vous revenez de loin parce que vous avez eu beaucoup d'attaques. Peut-être tu as 7, 10 ans dans le business et tu te regardes aujourd'hui, tu n'as rien que tu peux montrer à quelqu'un que voilà ce que j'ai fait. Tu n'as rien. Parce que les attaques, tu les avais et c'était comme des flèches qui venaient rester dans ton dos. Après, ça te met à terre.
Tu te guéris peut-être pendant un an. Après, tu te relèves. Donc, tu reviens de loin. Et avant, tu ne savais pas. Il y en a parmi vous, c'est dès que tu as ouvert. Un jeune homme m'a parlé l'autre jour, hier. Il m'a raconté son histoire. C'est quand il s'est marié que tous ses problèmes ont commencé. Il y en a parmi vous, c'est quand vous vous êtes marié que les problèmes ont commencé. C'est quand tu t'es marié. C'est comme si tout a chamboulé dans ta vie. Il y en a, c'est quand tu as inauguré ton premier magasin que tu as confirmé le code. Donc, ce que je suis en train de faire avec vous et que je voudrais faire dans cette formation que je vais vous donner, ce sera pour vous donner les armes dont vous avez besoin. Mais maintenant, ils m'ont dit d'implémenter avec vous. Donc, on partira sur un programme de 30 jours. 30 jours pour que mon activité passe à une autre dimension. Donc, vous devez être clair sur ce que l'activité va produire. Donc, si vous n'avez pas encore une activité claire dans l'esprit, je pense que pendant ce programme de 30 jours, votre premier objectif, ce sera de trouver l'activité. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas rejoindre mon programme parce que vous ne pourrez pas payer. Voilà. Ton deuxième problème, c'est que tu as un manque de discipline. La discipline est la clé. Et vous n'êtes généralement pas discipliné parce que vous n'avez pas de vision. Donc, quand on te voit là, tu ne sais pas là où tu pars. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as aucune idée de ce que tu veux. Et ça t'affaiblit encore plus chaque jour. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt aussi. Pour se discipliner, il faut que je sache ce que je veux atteindre. Supposons, tu commences à dire que je vais me discipliner. Quelqu'un qui se discipline pour perdre 20 kilos et quelqu'un qui se discipline pour atteindre 20 millions n'auront pas la même routine quotidienne. Et ce qui vous manque, c'est la routine. Quand tu te disciplines pour maigrir, les repas que tu vas manger, bien sûr que tu vas mettre l'accent sur les repas. Quelqu'un qui dit qu'il se discipline pour atteindre 20 millions de francs CFA dans son chiffre d'affaires, sa discipline sera différente. Et les personnes spirituelles ont cette mauvaise croyance-là, que tu ne peux pas être spirituel et discipliné. Au contraire, parce que tu es spirituel, tu dois te discipliner. Donc, vous avez un problème de discipline et de planification. Le troisième problème que vous avez, c'est la sélection de votre entourage. Vous ne connaissez pas sélectionner les gens qui vous entourent. Vous dormez avec n'importe qui est dans ton lit. Tu dors chez n'importe qui. Alors que tu n'as pas le choix. Si on te demande pourquoi tu es dans le pays où tu es, tu ne sais même pas. Ma tante m'a dit que c'est bien ici, que je quitte de tel pays pour venir ici. Tu es venu, tu fais quoi alors? Et parfois vous permettez n'importe qui parce que vous n'avez pas un modèle.
Si tu n'as pas un modèle ou bien quelqu'un que tu veux imiter ou bien quelqu'un que... si tu n'as pas une vision, tu vas laisser n'importe qui à côté de toi. Et ça, c'est le problème des personnes spirituelles. Votre quatrième problème, c'est que vous ne savez pas gérer votre argent. Donc, dans ce programme, la partie de l'argent sera... ça va prendre beaucoup de modules. Vous devez apprendre à économiser. Vous devez apprendre à investir. Et je pense que le plus dur, ce sera de ne pas donner l'argent à des autres. Voilà le premier. On est là le 15, non, ou le 16. Depuis le début de cette année, tu as envoyé l'argent à des autres gens, n'est-ce pas? Tu ne sais pas où tu dois mettre ton argent. Parce que nous dépensons de façon émotionnelle, généralement. Nos dépenses sont émotionnelles. Oh, elle me met la pression. Attends, elle lui donne le sien, elle me laisse tranquille. Ah, si je ne donne pas, ils vont me voir, ils ne vont pas m'aimer, ils vont dire que... Alors que c'est ton argent. C'est un argent que tu as travaillé dur. C'est un argent que tu as travaillé dur. Il y en a, vous n'arrivez pas à économiser. Parce qu'on n'économise pas pour regarder l'argent, ça nous regarde. Le but dans ta vie, du côté finance, c'est que quand quelqu'un te dit qu'il est libre financièrement, ça veut dire que il a assez d'argent qui entre pour pouvoir satisfaire ses besoins, ses factures, ses loisirs. S'il a des voyages à faire, ce n'est pas que la personne a un tas d'argent accumulé quelque part, mais la personne ne demande pas à quelqu'un. Et il a assez pour pouvoir dire que l'autre partie, si j'investis, si je veux investir, j'investis de telle façon que j'ai de l'argent qui va produire de ce que j'ai investi assez pour que je n'ai pas à me lever tous les jours et que je sois contraint d'aller m'asseoir ici pendant tel nombre d'heures. C'est ça qu'on appelle la liberté financière. Donc l'argent que tu as doit être planifié pour t'amener sur le chemin de la liberté financière. Quand on a l'argent, on n'achète pas seulement pour acheter. On n'achète pas par impulsion. Tu peux être dans un endroit où le salaire, on te paye bien, mais tu n'arrives pas à mettre l'argent de côté. Tu n'arrives pas. On peut prendre toutes les résolutions. Hein. Oui, voilà, c'est 2024. Oui, je vais. Tant que tu n'as... Et dans vos résolutions, hein, je suis sûr que vous n'avez rien pour de différent. Non, l'année-ci, ce sera différent des autres années. En quoi? Comment? Comment? Il y en a parmi vous, vous ne connaissez même pas ce que le succès implique. Donc, dans ce programme, on va aussi voir les lois du succès. Ou les règles du succès. Le succès a des règles. Donc, je vous annonce un programme de 30 jours que je vais commencer avec les personnes qui sont intéressées. Programme être spirituel et riche. Voilà le mot qu'on m'a dit de vous dire. Être spirituel et riche. On fera les premiers 30 jours et on verra. Si ça donne bien, je crois que je prendrai les gens sur un programme de 6 mois. On va vous donner un planning, un canevas. Et ça, c'est pour ceux qui ont besoin de... Qui ont déjà... Donc, tu as essayé de planifier par toi-même, mais tu veux... Parce que souvent, la communauté, ça aide. Être avec des personnes
que quand tu vas t'asseoir comme ça, tu vas les écouter. Ça va, it's gonna sparkle. Ça va provoquer quelque chose dans toi. Tu me dis que je veux le projet, je veux le projet. Mais tu es là, tu n'as pas d'idée. Tu te lèves ce matin, je vais faire quoi? Et ce n'est pas l'argent qui vous manque. Ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est la vision qui vous manque. Si tu vois, tu peux. Donc, dans le programme donc, que je suis en train de lancer, on va commencer sur une base de 30 jours renouvelables. On verra la discipline, la planification. On parlera aussi de la sélection de son entourage. On parlera de la gestion financière. Et on verra les lois du succès. Il y en a parmi vous, vous savez que vous êtes appelé à faire des orphelinats, par exemple. Mais vous ne savez pas comment. Vous pensez que c'est votre argent qui va construire l'orphelinat. Ce n'est pas ton argent, ma chérie. Dieu qui t'a appelé, que tu crois qu'il veut que tu t'occupes des orphelins là. Ce n'est pas seulement avec la sueur de ton front. Donc à ça, ceux qui vont rejoindre le programme, vous allez devoir apprendre la oratoire. Apprendre à vous exprimer. Donc les cours d'oratoire sont déjà ouverts. Vous devez apprendre la oratoire. Vous devez apprendre la gestion des réseaux sociaux. Oui. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas comment utiliser le téléphone que vous avez dans la main là. Vous êtes conscient qu'il y a des gens qui se font de l'argent chaque jour avec le téléphone que vous tenez en main là. Bonjour Jean. L'erreur que vous commettez parfois, c'est que vous vous plongez trop dans la spiritualité. Vous ne savez pas que les mêmes guides qui vous ont montré comment soigner telle personne vont aussi vous montrer comment avoir l'argent. Jésus se mettait devant l'eau comme ça. Là. Il dit que va pêcher par là-bas. Ça avait les dons de Jésus qui se faisaient de l'argent dans leur groupe. Tu as les dons dans ton entreprise. Tu connais des choses qui pourraient aider le manager. Ou le patron. On n'en profite pas. Et justement, tu souffres financièrement. Parce qu'il y a un manque de discipline. Il y a un manque de vision. Et si tu ne te connais pas, tu vas manquer de confiance en toi. Beaucoup de choisis ne sont pas faits pour l'école. Hein. L'école conventionnelle là. Donc ne vous donnez plus comme excuse que ah, j'ai pas fréquenté. En fait, si tu n'as pas fréquenté, tu es la personne idéale. Oui, tu es la personne idéale. C'est de toi qu'on a besoin. Vous devez aussi savoir résister à l'adversité. Il y a des périodes où vous allez sentir la bataille, elle sera tellement tangible et réelle. Vous devez savoir reconnaître les combats dans lesquels vous vous trouvez.
Un visionnaire qui connaît dans quel combat il se trouve, il ne peut pas osciller. Il ne peut pas trembler. Quand les attaques arrivent, tu connais. Tu connais, tu ressens. Et tu sais que s'il y a une attaque, ça veut dire qu'il y a quelque chose dehors, devant. Il y a une victoire devant. Il y a une victoire devant. Bonjour à tout le monde, bonjour. Donc, j'ai fait le direct juste pour vous annoncer cela. Ceux qui ont les consultations en attente, vous serez consultés en après-midi. Ceux qui sont intéressés par le programme, vous écrivez. Ce sera 200 euros le mois par personne. Vous recevrez une documentation que vous allez remplir. Et je m'attends à ce que ceux qui sont là, on va commencer le 1er février, que vous soyez totalement sûr de ce que vous voulez. On va passer à une autre dimension. 200 euros en France, CFA, je crois que c'est 120 000. C'est rien pour certaines personnes, c'est rien du tout. C'était à certaines formations que je mettrais à un forfait, à un prix forfaitaire. Beaucoup d'entre vous devez apprendre à utiliser votre téléphone. Il y a l'oratoire, il y a la gestion financière, on verra tout ça. Nous aurons des formations. Certaines de ces formations ne sont pas données par moi. Ce n'est pas moi qui enseigne, on va dire comme ça. Donc, j'ai les, par exemple, la gestion des réseaux sociaux, par exemple, pour lancer sa page. Ça, c'est j'ai une équipe qui s'occupe de ça. Ce n'est pas moi qui enseigne là-bas. Moi, j'enseigne sur la partie spirituelle. Et la partie discipline aussi. Les lois du succès aussi, c'est moi qui ferai. Ok. Bon. Je sais que vous avez regardé ceci en journée. Vous êtes intéressé, vous écrivez. Et puis les secrétaires vont gérer avec vous. Je pense qu'il est temps quand même que vous puissiez passer à une autre étape. Et je viens juste mentionner ceci. N'attendez pas quand les choses... N'attendez pas qu'il y ait de l'argent avant de faire... C'est souvent le problème que j'ai avec certaines personnes. Ils disent non, j'ai pas encore l'argent de ça. Il y a des choses parfois que tu vois, ça t'intéresse. Tu avances l'argent, tu dis que attendez, je vais pas chercher le reste et viens avec. Deux jours plus tard, tu as le reste d'argent. Parce que tu as pris une décision. Je parle avec l'une des filles avec lesquelles on a fait l'atelier de planification de 2024. On a fait ça le 30. Décembre 2023. Et là, elle dit, le numéro est dans la bio. Prenez le numéro, vous écrivez, les secrétaires vont vous renseigner. Ok? Il y a un numéro dans ma bio. Vous cliquez sur ça, c'est un lien. Vous cliquez sur le lien. Je n'enseigne jamais en présentiel, Dahomey. Je suis toujours en train de bouger. Comment est-ce que je peux enseigner en présentiel? Vous m'avez vu dans une... Tu m'as vu dans une formation physiquement. Tu m'as vu. Tout ce que je fais en ligne. Consultation se fait en ligne. Moi, quand je travaille sur les gens, je travaille sur les gens à distance. Je ne travaille pas physiquement. Bonjour Chantal. Si vous ne faites rien cette année, votre année sera comme toutes les autres années. Et c'est ça la beauté de la chose. Tu ne fais rien. On va dire bonne année 2025, bonne année. Calmement. Après, tu restes comme ça, là, tu entends les gens s'entendre pleurer à côté de toi, qu'on entend pleurer sur ton cadavre. Que tu es mort.
L'autre jour, j'étais dans le véhicule avec le féminin de chauffeur, c'est quoi? Solo béton, si tu ne veux pas écrire pour les frais de consultation, tu laisses. Tu as compris? Tu laisses. Écrivez dans le numéro qui est dans ma bio pour avoir le nom. J'ai dit que peut-être que vous ne me connaissez pas. Hein? Peut-être que vous ne me connaissez pas. J'ai dit que mon contact est dans ma bio sur TikTok. Clique dessus. Tu ne veux pas, tu laisses. OK? Voilà. Merci. On parlait avec la dame qui conduisait. Et là, on se rendait compte qu'on est déjà à la moitié de janvier. Et là, elle disait que waouh, là, le temps passe vite. Hein. Et là, j'ai commencé à leur dire que bientôt sera 2025 et après, on va mourir. Et là, ils ont commencé à rire. En fait, si vous ne vivez pas, ils étaient un peu énervés du fait que j'ai dit que, mais comment tu parles vite qu'on va mourir comme ça? Si vous ne vivez pas avec un sens d'urgence, vous allez vous rendre compte un jour qu'on est en train de pleurer sur votre cadavre. Tu crois que c'est là que ton cadavre va s'élever pour courir? Je n'invite personne, c'est TikTok qui vous invite. La prochaine fois que tu vois mon invitation, ne viens pas. Tu as compris? Que vous invitez les gens, vous ignorez les commentaires. J'ai dit que si tu vois encore mon invitation, ne viens pas. Si tu as été invité, ça veut dire que tu es abonné à ma page. Désabonne-toi. OK? Je vous ai dit que l'année-ci, là, je ne veux pas les followers qui vont tourner comme ça. Je ne veux pas les followers qui sont comme le vent, comme le contre-vent, comme ça, là. Je ne veux pas. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, désabonnez-vous de ma page. Ne croyez pas quand vous êtes abonné, là, TikTok me donne l'argent. TikTok ne paye pas les abonnements. Donc, si vous venez sur ma page et que ce que je dis ne peut pas vous aider en quelque chose, mais désabonnez-vous. Calmement. Soyez à fond dans ce que vous faites. Quand vous aimez quelque chose, vous aimez. Vous n'aimez pas, n'aimez pas. Simplement. Je dis très rarement aux gens dans mes vidéos, abonnez-vous. Très rarement. Parce que j'ai compris que je dois faire... Quand je tombe sur le contenu de quelqu'un qui me plaît, je m'abonne. Et après, je pars dessus, je regarde ses vidéos. Parce que c'est que son contenu va m'aider. Je sais que ça va m'aider. Donc, apprenez, parce que ça, c'est les enfantillages. Quand on doit toujours te forcer, viens alors. Ah, je vais venir, non. Ah, viens alors. Non. Si tu crois que ce que je fais t'aide, tu viens. Si tu crois que ça ne t'aide pas, pas une fois. Il y a des milliers de personnes qui ont des comptes TikTok. C'est comme ça. Donc, je vous ai annoncé le programme. 30 jours pour être spirituel et riche. Spirituel et riche. Et si ça fait un an que tu me suis, tu n'as jamais acheté un de mes produits, désabonne-toi de ma page. Tous les 2-3 mois, je me désabonne de certaines pages. Quand ils voient que je ne regarde plus ton contenu, si je n'ai pas l'envie de te chercher, ça veut dire que tu ne m'aides pas. Et quand j'y pense, au moment où je passe sur ta page, je regarde, je vois ce que tu as mis. Si tu as mis, ça me plaît, je like, j'apprends. Les abonnements sur TikTok, ce n'est pas pour la blague, ce n'est pas pour jouer. Je fais quelque chose et je me mets en ligne pour que tu me trouves. Si tu me trouves, ça veut dire que ce que je fais t'aide. Si ça ne t'aide pas, on se dit au revoir. Apprenez à mettre des fins aux relations qui ne vous aident pas. Si c'est un ex et que vous voyez que vous n'êtes plus bien ensemble, vraiment, tu ne m'aides pas, il ne t'aide pas. Peut-être tu l'aides, mais il ne t'aide pas. Tu coupes. C'est de ça que je parlais, quand il parlait de la discipline. Et il y a une autre partie, j'ai mis... La sélection de votre entourage. Ça, c'est une étape du succès. Sélectionner l'entourage. J'ai mis ça dans le ce qu'on va faire dans la formation. Vous ne connaissez pas, dit non. Et on ne doit pas être là seulement pour vous flatter. Ah, mon bic correspond à mon habit. Avec mon collier. On ne doit pas être là seulement pour vous flatter. Cherchez les gens qui vont vous dire les choses qui vont vous provoquer. Quand je me poste pour faire les vidéos ici, mon but c'est de vous provoquer. Soit elle te provoque, je t'énerve, tu quittes ma page. Soit elle te provoque, tu bouges. J'ai une jeune fille qui me disait hier que quand elle regardait les personnes qui ont impacté sa vie en 2023, elle a dû mettre mon nom sur celle-ci parce qu'elle remplissait un de mes livres. Elle dit qu'elle a écrit mon nom là-bas.
Parce qu'elle dit justement que j'ai suivi des personnes dans ma vie. Mais te suivre, ça a fait que ça m'a poussé à l'action. L'argent que tu veux ne viendra pas parce que tu vas te coucher dans ton salon aujourd'hui. Parce que tu vas tenir ton téléphone dans ta main. Mais ça va venir à cause des actions que tu vas poser. Il n'y a que l'action qui pose des réactions dans ce monde. Et croyez-moi, le manque d'action aussi, c'est une action. Et vous devez savoir organiser votre journée. Donc, la planification. Parfois, en dormant, on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain. Parfois, en dormant, vous ne savez pas ce que vous allez faire le lendemain. Et vous êtes toujours pauvre. Bonjour, Loïc. J'ai dit, le titre de mon programme, c'est « Spirituel et riche ». Spirituel et riche. Ouais, c'est deux mots qui ne vont pas généralement ensemble dans une même phrase. Tu travailles quelque part, on te voit au travail, on sait que le gars, c'est spirituel. Le gars, c'est puissant. Mais tu es leur subordonné. Tu travailles en dessous d'eux. Ils sont eux qui te donnent les ordres tous les jours. Tu ne penses pas que t'es les gens qui te guident là. Si tu peux prédire ma chose, que ta femme va accoucher comme ça là, ceci va se passer. Tu ne penses pas que le même esprit qui te guide là va te montrer les choses aussi pour te faire de l'argent? Hein? Quand quelqu'un est spirituel et il est pauvre, c'est très moche. C'est moche parce qu'on se moque de toi. Je suis comme si j'arrive un jour dans un bureau pour ouvrir le compte bancaire à Afriland First Bank. Déjà, le taxi que j'avais pris avant, je crois que c'est le Yango que j'ai pris avant ça. Il me dit, mais madame, il se tourne, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi dans la vie? Il est dépassé. Comme, généralement, les gens qui font ce que vous faites là, ils ne sont pas comme vous êtes, non. Je lui demande que je suis comment. Les femmes qui font ce que vous faites là, elles ne sont pas propres comme ça. Elles ne sont pas belles. On a fait les travaux sur mon toit. Ils arrangent la gouttière. Je lui dis, papa, j'ai fait les soins de ce visage. J'ai fait mes ongles. J'ai fait les massages. Plein de choses. Je n'ai même pas besoin. Je n'ai pas besoin de venir vous dire ici. Ceux qui sont venus dans mes locaux, vous savez que mes locaux sont propres. Vous devez savoir jumeler votre force spirituelle de telle façon que vous pouvez même imposer le respect. De façon à imposer le respect des personnes autour de vous. Tu es sur la moto en me suivant. Hein? Et tout commence par une vision. La semaine passée, quand j'enseignais, je vous ai parlé d'investir sur soi. Tout ce que tu mets sur toi, ce n'est pas perdu. Hein? Ce n'est pas perdu. Hein? C'est pour ça que vous devez aussi faire attention aux personnes qui vous initient. Le mentor que tu as est important. C'est la personne qui t'initie, tu sautes sur les grenouilles avant d'entrer dans sa maison. Tu arrives, c'est sale partout. Les poules ont fait caca partout. Tu entres même dans son lieu sacré où elle travaille. C'est sale. Et c'est la personne-là qui te forme. Crois-moi, dans ta tête, tu auras toujours tendance à vouloir faire... Ah, la base d'abord de l'Esprit Saint, c'est la propreté. Que c'est propre, c'est organisé, ça sent bon. Bon, on verra la suite dans la formation. Ceux qui sont intéressés par la formation, vous payez, c'est 120 000 francs pour un mois. Et ça doit donner quelque chose. Je dis pas que je vais donner mon argent, tu donnes ton argent. Si tu donnes ton argent chez moi, tu ne fais pas. Tu vas me voir. Souvent, quand vous entrez dans mes formations, vous blaguez un peu. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous.
Il est temps qu'on dise aussi que la fille est spirituelle et elle a l'argent. Eliane, tu as dit que tu es intéressée. Tu as le numéro, non? 237 693 50 22 66. Dès que vous payez, là, on va commencer à vous envoyer le matériel. Vous commencez à travailler. On commence officiellement ensemble le premier. Mais on va déjà vous envoyer du contenu pour que vous commenciez à bosser. Bonjour Emmanuel. En euros, c'est 200 euros. Tous ceux qui me suivent là, c'est vous qui m'avez fait vous donner les formations comme ça. C'est vous qui m'avez fait mettre ça. Ramasse ça là-bas. Ramasse. Le thème de la formation spirituelle et riche. Bonjour. Spirituel et riche. Ce premier mois-ci, on va beaucoup travailler sur les bases. Je crois que quand vous allez pouvoir vous discipliner et gérer votre argent, les deux choses-là, ça va beaucoup avoir de l'impact. Tu vas m'envoyer 5000 euros. Tu veux te dire encore 5000 euros, tu sais en combien de jours je dépense ça? Maximum 3 jours, je dépense tes 5000 euros là. Je me suis. Peut-être tu vois quand tu vas venir écrire comme ça sur mon direct, je vais. Donc, il faut payer. Tu vois, tu es intéressé, tu payes. Bon, je pense que j'ai terminé. On a couronnement ce soir à 18h. Ceux qui ont payé le couronnement. La science sur le couronnement. Cette science, elle est spirituelle. Eliane, je crois que tu as un problème d'attention avec moi. Quand tu seras dans ma formation, je suis dans les directives claires. Quand je donne mes directives, il faut être très attentif. Je viens de dire, ça ne fait même pas 3 minutes, que ceux qui payent, on vous envoie déjà le contenu. Vous commencez à travailler. Et on commence officiellement. Le premier. Quand je dis le premier, à ton avis, c'est le premier quoi? J'ai dit spirituel et riche. Je ne vais pas aller vous apprendre comment être comme si dans cette formation. Je vais vous apprendre à utiliser votre spiritualité pour vous faire de l'argent. Monsieur, pardon, fais ce que tu as fait. Ce n'est pas moi que tu attends. Je peux être ici pendant 3 heures de temps. Et quoi que tu connais à la maison. Tous ceux qui me suivent, ça veut dire que vous avez... Vous voulez savoir plus sur votre spiritualité. Et il y en a, vous avez déjà commencé à utiliser votre spiritualité. Mais vous n'en voyez pas les fruits. Parce que vous n'avez pas tout mis ensemble. Vous n'avez pas tout rassemblé ensemble. Vous êtes encore dans un côté ici, un côté là-bas, un côté là-bas, un côté là-bas. Parfois, certains d'entre vous avez des croyances qui vous bloquent. Vous avez des croyances qui vous bloquent. Ok, maintenant comme je suis spirituel, comme je commence à mettre la bave et le sel là, je ne peux pas. Tu reçois les idées, tu n'en fais rien. Tu reçois les idées, tu n'en fais rien. Tu te lèves le matin, tu n'as pas de procédure. Tu n'as pas de routine pour quand je te réveille le matin. Certains jours tu pries, certains tu ne pries pas. Certains tu médites, certains tu... tu n'as pas de canevas. Et parfois, les esprits voudraient bien... Il y a des institutions qui vous donnent souvent, vous suivez pendant 2 semaines, après vous laissez. C'est vous qui avez laissé ou ce sont eux qui ont laissé? C'est vous. À chaque fois qu'ils vous parlent, c'est pour vous libérer. Et quand on vous libère, c'est pour que vous soyez plus prospère, plus heureux, plus beau. Quelqu'un qui est épanoui spirituellement, il devient plus beau, plus riche, plus heureux. Voilà la prospérité. Quelle information sur le couronnement de ce soir? Tu as déjà payé? Ceux qui ont payé sont dans le groupe. On a donné les infos sur le couronnement dans le groupe ce matin. On vous a dit de quoi vous avez besoin. Le couronnement, c'est 30 000 francs.
Ça, c'est pour les personnes que vous avez déjà fait un certain travail spirituel depuis 2, 3, 4 mois. Et vous allez, on va faire le couronnement ce soir. C'est une sorte de... on met les galons. Parce qu'en parlant, en passant, il y a parmi les ingrédients, il y a le champagne. Il y en a, vous avez été dans des relations où l'autre personne vous a vidé de votre discipline. Avant, tu te disciplinais. Maintenant, je te revois à n'importe quelle heure. Tu manges en désordre. Tu es colérique. On t'a vidé. Et quand tu es comme ça, là, tu abandonnes ton business. Dès que tu abandonnes ton business, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à manquer l'argent, non? Cause à effet. Ça commence dans le spirituel, ça se termine dans le spirituel. Mais quand vous commencez dans le spirituel, vous devez savoir concrétiser le physique. Et c'est ça votre problème. Peu importe ce que tu me dis, si après tu... Ouh, je vois ça pour toi, je vois ça. Si après ça, tu vas encore me demander de te donner l'argent du taxi. Je vais me demander que si tout ce que tu dis là, c'est vrai, pourquoi toi-même, tu es encore en train de... Oui, tu peux payer pour ta mère, et qu'elle soit connectée seulement, Ingrid. Est-ce que toi-même, tu vas faire partie d'abord? Si toi, tu ne fais pas partie, ne paye pas pour ta mère. Parce que, mais quand il fait mes trucs spirituels, n'envoyez pas seulement les gens. Quand la personne arrive comme ça, dit que c'était même quoi qu'on a fait. Vous devez comprendre ce que c'est. Voilà, elle a bien dit, témoignage clair et net. Quand tu épanouis spirituellement, tu brilles. Et tu ne peux pas briller sans argent. Ne vous méprenez pas, qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Et je crois que vous devez commencer à devenir strict sur ce que vous demandez. Il y en a parmi vous, vous connaissez votre pouvoir d'attraction. Mais vous n'avez pas émis un désir clair depuis ce matin. Tu as demandé quoi à l'univers? Tu ne sais pas. Tu t'es levé, tu as dit que ce qui soit, soit. Tu as quel objectif? Tu ne peux pas être spirituel, tu n'as pas de business que tu as établi. Je vous assure. Moi, je vais vous reprogrammer. Vous avez fait que gna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 gn
Cette formation, c'est un challenge de 30 jours qui s'appelle Spirituel et riche. On commencera le 1er février. Au programme, on va travailler sur la discipline. On va travailler sur la planification. Comment se discipliner? La planification de son temps. On va aussi voir la sélection de son entourage. On va voir la gestion financière. Tu as 2 semaines pour payer, Edzoa. On commence le 1er. On va aussi voir les lois du succès. Et résister à l'adversité. Donc, pour la partie financière, il y aura comment économiser et aussi comment ne pas dépenser. Je pense qu'on peut parler d'économiser si on ne voit pas comment ne pas dépenser d'abord. Et comment investir. Mon but, ce serait qu'au bout de 30 jours, que vous ayez déjà au moins une activité que vous avez lancée. Quand je parle de richesse, ta richesse ne va pas venir parce que tu vas aller supplier les gens. You're not going to beg people. Tu vas pas les mendier. C'est 200 euros par mois. 200 euros, c'est 125 000. 130 000, je pense. 200 euros, 100 euros, c'est 65 000. Donc, fois 2, 130 000. Voilà. Peu importe comment vous voulez payer, assurez-vous juste que avant le 1er que vous ayez tout payé. Bon. Il y a des personnes qu'on va contacter pour leur parler de ça parce qu'il y en a qui ont déjà demandé. Ceux qui sont dans le groupe VIP. Et à part ça, le reste... Vous allez... Bonne journée.